L'hygiène, c'est très important pour la santé parce que ça nous évite de tomber malade pour rien. Il faut bien laver son frigo, bien séparer les aliments pour pas que les germes entre la tranche de jambon et les pommes de terre pleines de terre fassent du saut de mouton. Le frigo, ça se lave deux fois par mois avec de l'eau vinaigrée ou un peu d'eau de javel parce qu'il y a des germes comme les listeria qui se développent en atmosphère froide et humide à 4 degrés. Se laver les mains avant de passer à table ou en sortant des toilettes, très utile pour éviter d'avoir des infections. Et ça baisse à peu près d'un tiers les infections respiratoires et digestives. Un autre conseil, quand vous allez aux toilettes, pensez à rabattre le couvercle. Pourquoi ? Parce qu'une étude a montré que sinon il y a un effet aérosol, il y a des bactéries plein le carrelage, plein la gorge, plein les poumons. Et ça augmente de 30% les infections respiratoires. Mais en France, les gens sont tellement fiers de ce qu'ils ont fait. Ils regardent, ils admirent, ils tirent la chasse d'eau, ils respirent. D'ailleurs, les Japonais ont un très bon truc qui fait qu'ils font à peu près 30% d'infections ORL en moins. Tous les matins, ils se gargarisent avec de l'eau salée ou un petit peu gazeuse. Et ça permet de nettoyer tout ce qui est cryptique dans la gorge. Et c'est un geste santé formidable.